Hello, hello les amis, bienvenue sur Super Héros et compagnie. Regardez ce que j'ai pour vous aujourd'hui dans cette vidéo. Une vidéo exceptionnelle. Ça fait tellement, tellement longtemps que nous n'avions plus ouvert de pochettes surprises Enco, Animals Enco. Eh bien, vous avez été très très nombreux à me le demander dans les commentaires. Et comme Super Héros et compagnie est un peu votre chaîne également, je vous ai écouté. Voici donc, les amis, la nouvelle collection Lions Enco, disponible chez votre marchand de journaux. Et nous avons ici, vous le voyez, un display complet. Oui, un display complet qu'on va ouvrir entièrement aujourd'hui. Et je peux vous dire que ça me fait vraiment super plaisir de retrouver cette collection. Ça m'a manqué, ça fait vraiment très très longtemps que je n'en ai plus fait. Et pourtant, je vous en avais vraiment présenté énormément et à chaque fois, ça vous a toujours super plu. Rappelez-vous, la toute première collection que je vous avais montrée, c'était Sharks Enco. Et c'était il y a plus de 2 ans de ça, je crois même 3 ans. En tout cas, c'était vraiment une vidéo que vous avez adorée et que vous continuez à adorer. Entre temps, donc on avait les requins, on avait quoi d'autre? On avait Chameleons Enco, on avait les oiseaux. On avait les monstres marins, qu'est-ce qu'on avait encore, je ne sais plus. Si vous vous rappelez, eh bien mettez-le moi dans les commentaires. En tout cas, on en a eu quelques-uns. Donc aujourd'hui, Lions & Co. Et ça ne va pas être que des lions, comme vous le voyez. Ça va être tous les félins, les animaux de la savane. Ça promet d'être vraiment excellent. Dans cette collection, les amis, nous avons en tout 16 animaux sauvages à collectionner et on les a sur le côté de la boîte. Certains sont vraiment magnifiques, comme ici, vous le voyez, le lion blanc qui est juste à tomber, qui est magnifique. Ou alors ici, le fameux tigre albinos qui pareil, est juste à tomber. Ça, c'est la première partie. De l'autre côté, nous en avons d'autres. On a du rhinocéros, on a de la panthère, on a du tigre, on a du puma, on a plein de choses, plein de choses. La seule chose que j'espère, les amis, c'est que nous aurons dans cette boîte la collection complète, ce qui n'est pas forcément gagné. Alors, ouvrons un peu cette boîte et regardons ce que nous avons à l'intérieur. C'est en tout cas la même boîte qui est disponible chez votre marchand de journaux. Et donc ça c'est rien, c'est juste un poster, on l'enlève. Voici donc les fameuses pochettes des Animals & Co. Maxi Édition. Effectivement, en tâtant, on sent déjà que, eh bien, qu'on va avoir quelque chose de très très grand à l'intérieur. Et comme d'habitude également, un petit fascicule avec, je pense, des photos du vrai animal, des explications et des jeux. On verra ça plus tard. Chacune des pochettes coûte donc 3,50€. On va donc compter combien de pochettes j'ai dans ma boîte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. 16 pochettes. Alors ça déjà, ça sent bon ça, 16 pochettes. Il y a 16 animaux dans la collection, j'ai 16 pochettes. À voir si je n'ai pas de doublons, mais il est très très probable que je pourrai vous montrer la collection complète. En tout cas, je croise les doigts. Allez, c'est parti, 16 pochettes, ça va nous demander un peu de travail, donc on ne tarde pas. Première pochette surprise Maxi Édition et premier animal sauvage. Attention, attention. Ah, ça fait du bien de sentir ça. C'est exactement la même texture que les autres. Trop fort. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans cette première pochette? Voyons voir. Oh, oh. C'est quoi ça? C'est un guépard, c'est un puma. En tout cas, il a, vous le voyez, les yeux rouges tachetés de petites taches. C'est peut-être même celui de la pochette, là. À voir. Alors, elle est où la pochette? Le fascicule, je veux dire. Tiens, il est séparé par rapport à l'intérieur, ok. Alors, est-ce que c'est une pochette dédiée ou alors est-ce que c'est à chaque fois la même pochette pour tout le monde? Ouais, c'est ça. C'est pas une pochette, c'est pas un fascicule dédié. C'est un fascicule pour tout le monde. Donc, il va falloir qu'on devine ce que c'est cet animal. Je pense pas que c'est le Panthera léopard d'Afrique, ça m'étonnerait. Un guépard. Peut-être que c'est un guépard. Ce n'est pas le guépard royal. Sûrement pas le rhinocéros. Ah, c'est peut-être... Non, c'est pas la panthère des neiges. C'est pas possible. Alors, voyons voir. La collection, elle est là.
À votre avis? À mon avis, eh bien, ça doit être cet animal-là. Hein. C'est ce qui ressemble le plus. Et en plus, il a quasiment la même position. C'est donc Acinonyx jubatus. Qui c'est cet animal? Acinonyx jubatus. Ouais, bah c'est ça. C'est le guépard. C'est bien ce que je pensais. Nous avons donc ici le guépard, tout premier animal de la collection Lions & Co. On y va. Deuxième pochette. Donc le fascicule, eh bien, c'est le même. Et là, on va avoir... Ha ! Quasiment la même bestiole, mais cette fois-ci en position debout. Est-ce qu'elle tient debout d'ailleurs ? Non, elle a du mal à tenir debout. Hein. Ok, alors là, qu'est-ce qu'on a ? C'est quoi ? On va regarder par rapport à la position. À mon avis, bon, les taches, ça doit être le Acinonyx jubatus rex. C'est-à-dire, c'est un guépard. Ça doit être le guépard royal, bien que les taches ne soient pas du tout... de la même forme, ce sont quasiment les mêmes bestioles, les mêmes bêtes, sauf que une est en position assise, on va dire, alors que celle-ci est en position debout. Alors ensuite, on continue. Un pachyderme, non? Le rhinocéros. Alors lui, il est pas mal. Lui, il est sympatoche. Avec sa grosse corne, qu'on peut étendre. Il y a toujours les petites billes. Vous avez vu, il y a toujours les petites billes intérieures. On peut lui donner des formes assez bizarres. Et rappelez-vous, je crois que c'était avec la collection. D'ailleurs, on les voit quand on étend. Vous voyez le contenu du rhinocéros, de son ventre. Il y a des petites billes. Je crois que c'était dans la collection Crocodile. Ouais, il y avait les crocodiles, effectivement. Crocodile & Co, je l'avais oublié celui-ci. Où j'avais carrément disséqué un crocodile. Je lui ai ouvert le ventre et je vous ai montré ce qu'il y avait à l'intérieur. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, recherchez-la sur ma chaîne. Elle est assez drôle. C'est dans la playlist, justement, des Animals & Co. Alors, ensuite... Ah ah! Ah ah! Un éléphant! Eh, hey, l'éléphant, il est chouette, hein! Alors lui, je le trouve vraiment, vraiment chouette. Mieux formé que le guépard, je trouve. La trompe, elle est bien... Ouais, la trompe est bien réussie, tout comme ses oreilles et ses plis un peu partout. Ça, c'est une belle réussite. C'est un éléphant, les amis. Pour l'instant... C'est mon préféré. Alors, je sais pas, il y en a plusieurs des éléphants dans la collection, j'ai pas fait attention. Non, il y en a pas plusieurs. En tout cas, je vous ai pas signalé le super rare qui est le gorille. Et on a également deux animaux qui changent de couleur dans l'eau, à savoir un rhinocéros albinos et un lion albinos. Pochette suivante. Oh, là, on a quelque chose de noir. Ça, à mon avis, c'est une panthère. Qu'est-ce que vous en dites? Ça, à mon avis, c'est une panthère. Une panthère noire. Ça doit être... Ouais, Panthera pardus... À terre, c'est-à-dire, on va essayer de la trouver ici. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. C'est pas une panthère, c'est un léopard, pardon. Le léopard noir. Il peut manger jusqu'à 2,5 kg de viande par jour et peut atteindre 60 km/h en course. Waouh, c'est rapide. Allez. Continuons notre déballage et Lions & Co. Et oh oh oh! Waouh! Regardez, là on le voit quasi pas. Sur le fond blanc, il est quasiment invisible, le pauvre. C'est le lion albinos. Admirez. Ah, il est beau celui-ci. Hein. Il est vraiment, vraiment chouette. Un des modèles, un des exemplaires rares de cette collection qui tient. Eh ouais, il tient assis en plus. Ouh, cool!
Donc lui change de couleur dans l'eau. On va voir ça à la fin de la vidéo. Pour l'instant, pas de double, donc ça se passe plutôt bien. On croise les doigts pourvu que ça dure. Ah 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 ah. Et non, ce n'est pas un double. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme animal ? À votre avis, qu'est-ce que ça peut être, ça ? Qu'est-ce que ça peut être comme animal, ce truc ? On va essayer de chercher. Moi, je vote pour le puma. À mon avis, c'est le puma. C'est pas le lion d'Afrique, c'est pas possible. Je pense pas. Oui, il est le puma. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Ça ressemble vraiment à un gros chat. Hein. Le puma. Et là, je voulais pas montrer tout à l'heure, mais nous avons le lion blanc. Il est superbe. Il est vraiment magnifique. C'est le plus grand des lions. Il mesure 3 mètres de long. Il peut peser jusqu'à 250 kg. Et il est pourtant très agile. Waouh, superbe. Pochette suivante. Oh, regardez qui pointe le bout de son nez. Là, c'est un félin qui est gris avec des taches arrondies très très caractéristiques. Donc celui-ci, je crois que je l'ai déjà repéré dans les pochettes, dans les fascicules, pardon. Pourquoi j'ai toujours pochette ? C'est celui-ci, c'est Panthera. Une Sia ou une Kia. Et c'est... Il est où ? Il est là. C'est la panthère des neiges. C'est la panthère des neiges qui habite en Asie et qui... qui généralement n'est pas forcément gris. Donc là, c'est du gris. Généralement, c'est un pelage très très clair, voire blanc. Je vous l'avais d'ailleurs présenté en figurine Schleich, si vous vous rappelez, regardez. J'avais reçu ça dans un courrier surprise. Une figurine qui est très très détaillée, qui est magnifique. Et bon, c'est vrai, il n'y a pas trop de points de ressemblance entre ces deux-là, je vous avouerai. Allez, on continue. Oh, là, ça m'a l'air d'être une bête assez, assez imposante. What ? Regardez ! Ah ouais, pour être imposant, c'est imposant. Oh oui ! Nous avons la figurine ultra rare de cette collection qui est le gorille. Vous le voyez, il est grand, il est magnifique. On pourrait, il tape comme ça sur son torse par provocation. Un gros bide. On peut le déformer dans tous les sens, mais vaut mieux pas trop l'énerver quand même. C'est donc la figurine ultra rare de Lions & Co. Et nous l'avons. Et en plus, vous le voyez, elle tient debout. Alors ça, franchement dit, ça c'est super cool. Ça c'est super cool de l'avoir eu. On continue. On a quand même encore quelques pochettes à découvrir. Et là, nous avons... Oh oui, nous avons le lion. Ah, il est beau aussi celui-ci. Et il est translucide. Vous voyez l'intérieur, les billes ? Superbe. Est-ce que c'est le même moule que ce lion-là ? Ouais, c'est le même moule, ce sont exactement les mêmes animaux, mais dans une couleur différente. Allez, pochette suivante ! Oh oui ! Là, nous avons le deuxième rare qui change de couleur dans l'eau avec le lion blanc. Ça, c'est, les amis, ça va être Panthera tigris, c'est-à-dire, lui, le tigre de Sibérie. Et il est beau aussi, hein, celui-ci. Hein. Waouh ! D'ailleurs, vous pourrez me dire dans les commentaires quels sont les spécimens que vous avez trouvés et que vous possédez dans votre collection Lions & Co. Alors, on continue. On en a encore au moins 5 à ouvrir, là, d'après ce que je vois. Ah, alors là, par contre, donc c'est un félin avec une ligne sur le dos.
Qui est-ce que ça peut être, ça? Qui est-ce que ça peut être? C'est toujours difficile à identifier. Ah, si, c'est ça. Pantera Leo Senegalensis. C'est-à-dire... Ça doit être le tigre. Ouais, c'est... Non, le lion. Lion, il est là. Vous le voyez. C'est le lion d'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est cool. Ok. On va te mettre... Tiens, on va te mettre ici. Voilà. Alors, encore une, deux, trois. Ouais, c'est ça. Cinq pochettes. Et là, oulala, là, j'ai également quelque chose de super, super grand. Là, je le sens déjà au tatage. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que nous avons? Oh, joli, joli. Un autre rhinocéros. On en avait un gris. Là, on en a un tout clair. Il est également super, super joli, celui-là. Et c'est... Alors, attendez. Hein, je pense que c'est... Ouais, c'est le rhinocéros blanc. C'est donc également... Un Lion's Co. qui change de couleur dans l'eau. Donc, il y en a trois. On verra ça d'ici quelques secondes. Paf! Ah! Ah non, j'ai cru à un doublon à cause des taches blanches, mais non. Ah, donc, c'est un animal qui est tacheté avec des rayures sur le dos. Ah! Suspense, suspense. J'aurais dû cocher, comme ça, au moins, on aurait su... Alors, lequel c'est? Non, je pense que le... Je pense que je me suis trompé tout à l'heure. Ça doit être le lion d'Afrique de l'Ouest, celui-ci. Et l'autre, ça devait être... je sais pas, en fait, le puma. Bon, je suis un peu paumé. Si vous, vous savez lequel c'est, celui-ci, vous me le mettrez dans les commentaires, bien sûr. Allez, on a bientôt tout ouvert. Ah, ça va trop vite quand on ouvre les pochettes, comme ça. Et qu'est-ce qui nous manque? Oh, oui. Ça, c'est le tigre, ça. Là, il n'y a absolument aucun doute. C'est le tigre, c'est-à-dire lui. Il est où? Où es-tu, tigre? Ouais, t'es là. C'est le tigre de Sibérie. Il est superbe. Allez, et le dernier... Dernier Lions & Co, les amis. Oh oui. Eh ben oui, c'est celui qui manquait. C'est l'hippopotame. Regardez-moi la taille de sa gueule et de ses dents. Attention, l'hippopotame est un animal quand même très très dangereux. Même s'il paraît imposant et très très lent. Il est super violent et s'il vous chope avec ses dents, vous passez un sale quart d'heure. Eh bien, c'est un très bel animal, je trouve. Il est plutôt bien, bien réussi. Et les amis, bonne nouvelle. Attendez, je vais faire un peu de place. Le carton, vous le voyez, il est vide. On a ouvert 16 pochettes Lions & Co, les amis. Et c'est gagné! Nous avons toute la collection! Les 16 spécimens de la collection Lions & Co. Pas de doublons! Ça, c'est super cool! J'ai donc pu tous vous les présenter et certains sont vraiment, vraiment superbes. Je vous dirai dans quelques secondes lequel est mon préféré. Vous pourrez vous dire dans les commentaires également, vous, lequel est le vôtre. Maintenant, on va tester ces fameux animaux qui changent de couleur dans l'eau. Donc, nous avons ici le rhinocéros blanc, nous avons le lion blanc et nous avons également ce tigre. Là, on va chercher de l'eau et on va tester ça. Non mais attendez les gars, je vous ai dit n'importe quoi, j'ai mal lu. Ce ne sont pas des animaux qui changent de couleur dans l'eau. D'ailleurs, j'ai essayé et je me suis étonné de voir que ça ne fonctionne pas. J'ai mal lu, c'est pas du tout ça. En fait, ces animaux-là ne changent pas de couleur... ne change pas les couleurs dans l'eau, c'est marqué dessus, je sais pas ce que j'ai lu, nous changeons de couleur à la lumière du soleil, n'importe quoi, je vous ai dit des grosses bêtises. Alors on va essayer de se mettre à la fenêtre, de les mettre au soleil et de voir dans quelle couleur se transforment ces trois animaux, let's go! Alors je sais pas si vous le voyez, mais effectivement, ils commencent à changer de couleur. Regardez la crinière. Ah là, on le voit bien.
On va voir avec les deux autres, avec l'hippopotame et le tigre. Alors j'en ai trouvé un autre, c'est ce tigre-là, le lion normal. Vous le voyez là, il est beige. Et regardez ce qui se passe lorsque je le mets au soleil. Quasi instantanément, vous le voyez, ça devient un lion violet. Et le lion blanc, regardez, le lion blanc, il est devenu orange. Il est tout orange. Quant au rhinocéros qui était de cette couleur, il devient violet. Par contre, lui, il ne fonctionne pas. C'était une erreur. Lui, il reste blanc. Ah, c'est fou, hein. Et dès que vous les mettez à l'intérieur, les Animals & Co. reprennent rapidement, très très rapidement, leur couleur d'origine. D'ailleurs, on voit le grand lion qui, pour l'instant, est encore orange. Je l'ai rentré à l'intérieur. L'hippopotame, le rhinocéros, lui, par contre, est redevenu gris clair alors qu'il était violet. Et nous avons également le lion ici qui était violet tout à l'heure et qui est revenu dans sa couleur originale. Alors, cette collection Lions & Co., eh bien, les amis, elle est franchement top. Je trouve vraiment, vraiment les animaux super réussis. Et le fait qu'ils changent de couleur au soleil, c'est vraiment très, très ludique. Maintenant, il est temps de dire lesquels je préfère. Eh bien, le choix est difficile car j'en ai plusieurs. Alors, naturellement, nous avons l'ultra rare, le gorille. Regardez ça. Il est impressionnant. Donc, celui-ci, eh bien, je l'aime bien. Ça, c'est clair. Après, il y en a un deuxième qui est vraiment très, très chouette. C'est l'éléphant. Et je sais pas ce que vous en dites. En plus, il tient debout. Et vraiment, il est super réaliste. Il est vraiment très très bien fait et c'est peut-être le Animals & Co, le Lions & Co qui est le plus réussi de toute la collection. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Eh bien, j'aime beaucoup également les rhinos. J'ai beaucoup aimé également l'hippopotame. C'est dommage qu'il ne tient pas debout celui-ci. Ah si, ça y est, j'ai réussi à le faire tenir debout. Regardez-moi ça avec sa grande gueule. Alors, c'est officiel, ça c'est mon trio. Et par contre, mon Animals & Co, mon Lions & Co préféré de cette collection, sans aucun doute, c'est l'éléphant, il est juste magnifique. Voilà les amis, c'était donc toute la collection de Lions & Co. Vous me l'avez demandé, je vous l'ai présenté. C'est vous le patron de la chaîne. C'est vous qui décidez en partie de ce que vous voulez voir. Maintenant les amis, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de cette collection. Si vous aussi vous en avez, si vous avez commencé à collectionner ces superbes animaux. Juste là dans les commentaires, vous me dites tout ce que vous en pensez. N'oubliez pas les pouces bleus. Et si vous avez des vœux et que vous souhaitez justement voir certaines vidéos, vous n'oubliez pas, c'est des pouces bleus. Plus vous mettez de pouces bleus et plus vous avez de chances de les voir un jour. Et maintenant, je vous dis à très très bientôt les gars pour de nouvelles aventures sur Super Héros et Compagnie bien sûr. Bye bye, ciao.